Bon, bonjour la famille. Le match France-Biélorussie vient de finir sur un score de 2-1 pour la France. Au Stade de France, le stade était plein à craquer avec des drapeaux français qui flottaient quasiment partout sur tout le stade. Et les joueurs français ont fait le travail. Le plus important, c'était la qualification. La qualification a eu lieu. Nous partons en Russie en 2018, juin 2018. Nous allons participer à la prochaine Coupe du Monde. Nous, Français, nous sommes fiers que enfin la France se qualifie de manière correcte, adéquate et directe, sans passer par les barrages, pour une phase finale de Coupe du Monde. Cela va redonner de la joie à certaines personnes. Cela va donner de l'envie d'aller vers du foot, vers le foot à certaines personnes. C'était pas simple. Ça fut très très dur. Très compliqué. On est passé par des différents trucs et hélas, le ticket est en main, c'est le plus important. C'était pas simple quand même, parce que la Biélorussie, quand ils ont égalisé, on s'est dit, allez, les démons de la France sont en train de ressurgir, il y a quelque chose qui ne va pas. Ah, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais, vous savez, dans la vie, généralement, c'est le plus fort qui gagne. Là, la France a montré une niaque, une envie d'aller dans cette Coupe du Monde-là. D'où elle a battu la Biélorussie de 1 correctement. Et faut pas négliger la Biélorussie quand même, elle a quand même joué. Bon, c'est sûr que la Biélorussie, c'est pas l'Espagne, c'est pas le Portugal, c'est pas l'Allemagne, c'est sûr et certain. Mais ne jamais sous-estimer une petite équipe. Car petit, souvent, on peut déplacer les montagnes. Donc, c'était un gros match. Je l'ai regardé, j'étais content, tranquillement, en train de l'observer, de regarder. Et je me suis dit, tiens, allez, je vais faire mon petit débriefing. En tout cas, moi, je suis très, très content et très fier que la France puisse participer à cette Coupe du Monde en Russie. Que la France montre à nouveau de quoi elle est capable sur un match de foot. Voilà. En tout cas, fier que cette équipe-là aille représenter la France en Coupe du Monde. On va vous souhaiter sur ce une bonne soirée. Merci beaucoup. La Biélorussie a quand même fait le taf. Allez. Ciao! Black Swan Kuluna, le rappeur qui arrive. Le futur du 94. Kuluna Black Swan. On vous embrasse. 4 Kuz Gang. Allez-y, check 4 Kuz Gang et Black Swan Kuluna. Ciao!